Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une enquête sur les entreprises en technologie de l'information. En fait, plus particulièrement auprès des dirigeants d'entreprises de technologie. Ça avait pour but de mieux comprendre c'était quoi leur pratique d'affaires, mieux déceler quelles étaient les tendances, les enjeux, nos forces aussi au sein de l'industrie. Et alors, cette enquête, en quoi elle se distingue des autres outils qui existent dans le secteur des technologies de l'information? Bien, en fait, il n'existe aucun outil qui est destiné aux dirigeants de PME qui fait état de leurs pratiques d'affaires. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie des TI ou ailleurs, ça va provenir des sources de statistiques, par exemple. Alors que cette enquête-là, ce qu'elle visait à faire vraiment, c'est de mieux comprendre c'était quoi la réalité des dirigeants d'entreprises de PME. Et si je comprends bien, des données peut-être moins brutes, mais plus des données sur les intentions aussi. Oui, des données sur leurs intentions, des données sur les obstacles à la croissance, où ils prévoient investir de façon substantielle au cours des prochaines années, par exemple. D'accord. Et alors, quels sont les secteurs que vous avez étudiés de plus près dans cette étude? On a décidé d'évaluer quatre grandes facettes de gestion des entreprises. D'abord, leurs ressources humaines, pour comprendre quelle est la taille des entreprises, quelles fonctions les ressources humaines occupent au sein des entreprises aussi. La commercialisation, d'où proviennent leurs ventes. Comment elles font pour distribuer, qui sont leurs grands clients, les grands secteurs d'activité qui sont les consommateurs de nos solutions technologiques, finalement. La troisième facette qu'on a évaluée, c'est tout ce qui a trait à l'innovation, la gestion de l'innovation et la part de l'expertise externe aussi. Donc, quels processus sont mis en place? Quelles ressources allons-nous chercher pour se doter de meilleures pratiques de gestion? Et bien sûr, les revenus, tant par leur provenance sur des marchés internationaux ou ici, et encore, quelles sont les principales sources de revenus, services versus technologie. Donc, c'est les quatre grandes facettes qui représentent bien, on croit, la dimension de gestion auxquelles les présidents sont confrontés au quotidien. Et alors, au final, quels sont deux ou trois enseignements clés que vous avez tirés de cette connaissance des entreprises de TI du Québec? D'abord, on s'aperçoit que la pénurie de ressources humaines qualifiées est réellement présente dans l'esprit des dirigeants. On pense aller beaucoup embaucher via l'immigration, puisque les ressources se font de plus en plus rares ici. On constate que la notion des ressources humaines, on en a parlé beaucoup par le passé, mais on sent que c'est très, très présent dans l'esprit encore des présidents. Sur le plan de l'exportation, on a été étonnés de constater que seulement 27 % des entreprises vendent uniquement au Québec. Or, on s'aperçoit que la vente à l'extérieur de nos frontières est très, très présente. Et un autre constat maintenant qu'on a vu à travers l'ensemble des résultats, c'est qu'on voit beaucoup de signes de maturité de l'industrie. Mais alors, au-delà de la connaissance de l'industrie, à quoi ça va servir tout ça maintenant et particulièrement aux membres de l'AQT? Bon, on espère que dès demain matin, les membres vont l'utiliser pour se comparer à leur pair. C'est assez unique d'avoir accès à un outil de comparaison qui nous permet de se comparer à 654 entreprises de notre secteur d'activité, vraiment avec des paramètres très comparables. Donc, on espère qu'ils le feront. En fait, on a eu 654 répondants qui nous ont fourni, on doit le dire, des informations à certains égards qui étaient assez sensibles. Donc, en guise d'appréciation du temps qu'ils nous ont accordé, on leur transmet un rapport personnalisé qui va reprendre chacune des 30 questions auxquelles ils ont répondu au sondage, remettre leurs réponses en perspective avec l'ensemble des données de leur famille, de leur sous-groupe, voilà. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Au revoir.